Bonjour à tous, c'est Mélinda, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous prévenir que pendant une semaine, je ne serai plus active vu que je vais partir dans un camp de GR à Chauvetagne. C'est dans les Ardennes, en Belgique. Donc si vous voulez continuer à savoir ce que je fais chaque jour pendant une semaine, vous pouvez aller vous abonner à mon Instagram qui s'affiche juste ici en dessous. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé pour y aller. C'est parti! Donc voilà, on va commencer par la première partie de la valise. Donc ici, on a tous les bas. Donc là, j'ai une salopette, un jeans noir simple et un short avec des pierres. Hop, ça c'est pour la vie tous les jours normal. Là, c'est deux robes, une noire et une rouge avec les brassières qui vont avec. Donc ça, c'est pour la boum qu'on a organisée pour mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 18 juillet et je vais faire sûrement une vidéo sur la boum, sur la préparation. Là, c'est le maillot, le bikini, le bas et le haut. Hop. Après, ici, on a tous les hauts, donc plein de t-shirts, un kaki, un rouge, un blanc et un rose. Après, ici, on a les pyjamas. Donc, j'en ai un Stitch et un Bambi, avec une petite brassière. Après, ben, j'ai pris deux essuies, deux simples essuies normales. Hop là. Et une veste en jeans. Vu qu'il va faire pas trop chaud ni trop froid, alors j'ai pris une veste en jeans. Et un petit carnet pour écrire un peu tout ce que je fais. Et un bic. Voilà pour la première partie. On continue. Donc là, il y a la trousse avec les brosses à dents, etc. J'en ai une trousse un peu dorée comme ça, avec là toutes les crèmes pour les boutons, pour l'acné, etc. Ici on a tous les leggings, donc j'en ai un gris, un noir et un bleu et vert. J'ai pris que un short parce que ben, on va être dans la nature, alors c'est mieux de ne pas prendre beaucoup de shorts. Un short noir simple. Ensuite toutes des brassières de sport de toutes les couleurs. Une chaussette qui est avec. Ensuite, les 4 paires de chaussettes. Et des sandales pour la boum pour l'anniversaire. Et une brosse à cheveux. Donc voilà, maintenant on va continuer avec le sac de couchage. Un simple. Hop là. Au petit pull du club. Que je vais mettre pour partir et une veste kawaii parce qu'il va pleuvoir pendant 2 jours malheureusement. J'espère que ce sera pas pendant mon air. Et maintenant on va passer au sac de GR. Donc dans la poche derrière, donc là j'ai les massues, le mousse. Là, j'ai les 2 paires de poids. Le petit chauffe d'eau. L'élastique en tissu et l'élastique souple. Donc ça, c'est une plaquette pour faire les pivots. Vu qu'on n'aura pas de tapis, ben, j'ai pris ça. Ma corde. Et 2 genouillères. Hop là. Donc, dans la poche du milieu, j'ai mes doudous que j'ai pris. J'ai Copper en multicolore pastel. Et le petit lion licorne. Et après, j'ai ma petite boule anti-stress éléphant qui s'appelle Fifi. Attention, hein. Voilà, et devant, j'ai juste une boîte comme ça. Et à l'intérieur, ben, j'ai tout ce qui est bricolage, les marqueurs, les post-it pour colorier dans la voiture, pour s'occuper. Parce qu'il y a plus d'une heure, et, enfin, plus ou moins 1h30 de trajet. Voilà, maintenant, il y a mon ballon avec son sac. Et je vais aussi prendre mon gilet, mais je l'ai laissé en bas parce qu'il est trop court.
Voilà, je pars demain matin. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne serai pas active sur YouTube pendant une semaine. Mais par contre, sur Instagram, je serai beaucoup plus active. Je posterai une photo et une story par jour. En attendant, prenez soin de vous, likez la vidéo, activez la petite cloche et abonnez-vous. On se dit à la prochaine. Bisous.